Biersommelier Ben Vinke en kaasmeester Michel van Tricht hebben een missie. Ze willen bewijzen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze brouwers en kaasmakers in binnen- en buitenland. Vandaag ontmoeten Ben en Michel niemand minder dan Père Bernard Laurent, de abt van Maritsou. D'abord bienvenue à Maritsou. Et l'histoire de l'abbaye, bien, elle commence en 1872. Le style dans lequel l'abbaye va être construite, c'est le style néogothique. Et ce qui est exceptionnel, c'est que tout va être construit en moins de 20 ans. À côté de l'architecture, bien entendu, les moines vont développer des œuvres, comme le collège, un collège, une école secondaire, une grosse bibliothèque, le travail de la Bible, et puis alors des produits destinés à faire vivre un ensemble comme celui-ci, tels que la bière, le fromage, le pain et le tourisme, bien entendu. Le premier produit à avoir été créé par un moine de Maritsou, c'est la bière. La bière. Alors l'origine de la bière, nous sommes en 1947. Mmh. Après la Deuxième Guerre mondiale, les touristes et les pèlerins viennent à Maritsou. Et puis, à pied, ils montaient à l'abbaye. Et là, pour les accueillir, il y avait uniquement un petit gobelet attaché avec une chaîne au mur et un robinet d'eau. Et ce père a dit, mais c'est quand même dommage que pour accueillir les gens, on n'a que de l'eau. Et alors, comme on est en Belgique, il s'est dit, on va faire une bière. Alors le fromage, lui, il va venir quelques années plus tard. On a transformé les caves qui se trouvaient en dessous de la ferme, là où on mettait les fruits. C'était des caves de fruits. Et ces caves, on y a mis des fromages. Mmh. Et donc, encore aujourd'hui, le gros bloc de Maritsou, oui, est fait ici parce que la flore est unique. Oui, donc l'affinage. L'affinage est toujours fait ici. Oui, oui, encore. Oui, 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 oui. Ik zal direct mijn kamer hebben, zeg. Père Michel. Ben voilà. Voilà. Père Michel. Père Michel. Voilà. Ben, je vais peut-être avoir des problèmes avec ma femme. Ah oui, il y a une femme aussi. Oui, j'ai une femme, oui. On peut la faire sœur, hein. Voilà. La bibliothèque. Mais je crois que l'abbaye était aussi très connue pour sa bibliothèque. La bibliothèque ici est très importante. On estime qu'il y a environ 400 000 volumes. Et j'ai lu aussi quelque part que la fameuse recette originale de la bière se trouvait quelque part ici. Elle est quelque part ici dans l'abbaye, mais je ne vous dirai pas où. Mmh. Parce que... Ça, c'est le secret. C'est un des secrets. Oui. On en a d'autres. Oui. C'est un des secrets. Ja, Michel, we waren er bijna mee weg, hè, met het geheim van de Maritsou. We wisten het bijna, Ben. En we wisten het liggen, maar... Nee. We zijn er niet aangeraakt. We zijn er niet aangeraakt, nee. Het zal maar een volgende keer zijn. Ja, ik denk het ook. Maar we gaan nu wel eens lekker proeven, hè. Dat is ook, dat gaat veel goed maken. Ja, dat gaat veel goed maken. Voor mij is het een groot honneur. Comme sommelier de la bière, ici, dans cette belle abbaye, d'ouvrir la meilleure bière de la gamme. C'est la triple, bien entendu. Oui. Donc ici, on parle d'un fromage 4 mois d'affinage. Donc ça va, ça va donc avoir quand même un goût différent. Ah, oui. Mais on va le déguster. Je vrai que le mariage est parfait. Ik vind die geaffineerde kaas van 4 maanden de max, samen met het bier. Omdat die karameltonen, dat smeugen van de geaffineerde kaas, karakter, een bier van 10 graden, het komt allemaal samen. Het is voor elkaar gemaakt. Een bier avec beaucoup de caractère. Et ce fromage, il a plus de caractère que le jeune. Ça c'est sûr. Ja, Michel, ik denk dat we het geheim hier ontdekt hebben, hè? Ik denk inderdaad, Ben, dat we een stuk van het geheim hebben ontdekt. Vooral geduld hebben. Laat hem een beetje mooi affineren. En dan gecombineerd met die triple. Mm. Pour vous aussi une découverte aujourd'hui?
Mais c'est une découverte de vous recevoir. Volgende week zitten Vinke en Van Tricht opnieuw in een abdij. Maar nu bij de trappisten van Chimay om er de Chimay 500 te proeven samen met Chimay Fromage à la Bière.